ce n'est pas facile de perdre du poids, surtout dans un environnement obésogène. L'aménagement résidentiel ne favorise pas les déplacements actifs. Les aliments qui sont riches en gras, en sel et en sucre sont disponibles à toute heure du jour. Et en plus, les formats des produits qu'on achète ne cessent d'augmenter. On a noté qu'entre 1981 et 2004, la part quotidienne nutritionnelle avait augmenté de 17 %. Ça signifie qu'on mange 38 calories de plus en moyenne par jour. Malheureusement, manger 11 calories de plus par jour que nos dépenses énergétiques sont 11 calories, visuellement, on peut dire une amande. Donc, je mange une amande de plus par jour que ce que je dépense, bien, au bout de l'année, je vais avoir pris une livre. Donc, si là, maintenant, on est rendu qu'on en mange 38 calories de plus, ça veut dire qu'au bout de l'année, je vais prendre 3 livres. Et si je continue comme ça, année après année, mais c'est pas long que l'augmentation de poids va survenir. Donc, afin de favoriser une perte de poids, il faut apporter un déficit calorique. Donc, pour ça, 3 scénarios nous sont proposés. Premier scénario, on peut y aller simplement par l'alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est que je continue à avoir mes activités normales, mais je vais restreindre ce que je vais manger. Donc, je peux y aller en restreignant des extras. Si je suis quelqu'un qui a tendance à prendre un verre de vin par jour, je décide, OK, là, je vais en prendre moins souvent. Ce qui va arriver, c'est qu'en prenant un verre de vin de moins par jour, je vais soustraire 120 calories. Mais si je suis du genre à ne pas prendre d'extra, eh bien là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est d'aller réduire dans mes quantités. Donc, exemple, quelqu'un qui consomme la moitié de mon assiette de viande, donc en moyenne, ce qui correspond à un 8-11. Je décide de le couper à 4-11, mais je vais réduire mon apport calorique de 285. Donc, voyez-vous, c'est avec l'alimentation, c'est soit je coupe les extras ou soit je diminue les portions. La deuxième solution qui vous est proposée en termes de déficit calorique, c'est d'augmenter votre niveau d'activité physique et de maintenir votre apport calorique tel quel. Par exemple, si vous désirez prendre un verre de vin, sachez que vous devrez marcher pendant 33 minutes pour brûler les calories. Si vous désirez manger 4 biscuits écoliers au chocolat noir pour vous récompenser des efforts que vous avez faits pendant votre entraînement, ajoutez 70 minutes de marche à votre entraînement la prochaine journée. Au niveau du déficit calorique, l'approche préconisée dans le cadre de Kilo Actif, c'est la combinaison des deux premiers scénarios. C'est-à-dire qu'on veut diminuer l'apport au niveau de l'alimentation en modifiant ses habitudes alimentaires et on veut augmenter sa dépense énergétique en adoptant un mode de vie actif. Donc, c'est vraiment la solution gagnante, là, c'est vraiment de combiner les deux approches. Et nous, on est là pour guider, pour motiver, pour encadrer les gens dans une perte de poids lente, durable et constante. Parce qu'il ne faut pas oublier, d'abord et avant tout, ce qu'on veut, c'est l'amélioration de la santé avant la perte de poids.